à l'Hôtel de Ville qu'a eu lieu la 19e édition du gala Défi Ose entreprendre, volet étudiant pour la région de Montréal, où 17 prix ont été remis. La table de Carrefour Jeunesse Emploi de l'île de Montréal a décidé d'entreprendre ce défi parce qu'on croit vraiment à l'épanouissement des jeunes à travers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est vraiment un levier pour prendre confiance en soi, apprendre plus sur soi, puis vraiment donner à sa communauté. Cette année, on a 4 400 jeunes qui ont participé au défi aux entreprises ici à Montréal. Les jeunes qui participent au défi aux entreprises ont entre 6 et 25 ans à peu près. Le défi aux entrepreneurs existe depuis 19 ans. Il y a des compétitions au niveau local, après ça au niveau régional, puis on va avoir un gala au niveau national le 14 juin à Québec. Je suis très content d'être porte-parole du défi aux entrepreneurs pour le volet étudiant. On parle beaucoup de l'importance de l'entrepreneurship et de voir des jeunes, même aussi jeunes que le niveau primaire, s'exprimer à travers des projets qu'ils ont eux-mêmes créés. C'est extraordinaire, puis moi, je veux encourager ça. On est avec les gagnants du primaire deuxième cycle. Alors, c'est quoi votre concept? Le concept, c'est de montrer aux jeunes comment faire attention en vélo pour pas qu'il arrive d'accident. Est-ce que vous êtes content d'avoir gagné? Oui! Oui. Défi aux entreprendre, c'est une compétition entrepreneuriale pour tout le Québec. Alors, l'objectif, c'est de faire connaître les projets qui se font partout dans les 17 régions. Et pour faire ça, on a un volet entrepreneuriat étudiant qui s'adresse aux primaires, secondaires, collégiales, universitaires, puis un volet création d'entreprise pour tous les nouveaux entrepreneurs leur année de démarrage. Alors, en mettant en lumière ce qu'ils font, bien, on les encourage eux, on les met en lien, mais surtout, on leur permet d'inspirer d'autres personnes à faire comme eux. Avec les gagnantes universitaires petit groupe. Alors, expliquez-moi un peu c'est quoi le concept. En fait, c'est des capsules web sexo-éducatives qu'on a mis disponibles en ligne et qu'on souhaite évidemment intégrer les écoles avec ça. Mais dans le fond, c'est de promouvoir une éducation sexuelle pour les jeunes, là, surtout dans les écoles, mais sur les réseaux sociaux et sur Internet. Toujours ravi de recevoir les jeunes Montréalais à l'Hôtel de Ville. Ça leur appartient, c'est la maison des citoyens montréalais, montréalais. Et particulièrement dans ce cas-là, parce qu'on vient célébrer l'entrepreneuriat. 80% des entreprises au Québec, c'est des PME. Ça fait partie de notre colonne dorsale et la résilience de notre économie. Et il faut l'encourager, il faut le consolider, il faut même le développer pour l'avenir. Je suis excitée, au fond, de permettre à des jeunes d'être célébrés, des jeunes qui ont entrepris des projets. C'est pas toujours facile là, de se partir un projet, donc oui, je suis excitée. J'étais un peu nerveuse, mais je suis sûre que ça va bien se passer. C'est des jeunes, on parle du primaire jusqu'au stade universitaire là, qu'on va célébrer aujourd'hui, puis c'est des beaux projets là, qu'ils ont développés puis qu'on va honorer aujourd'hui, donc c'est très inspirant. Merci.